Effectivement, Eddy, je suis avec Christian Brifeuil. Bonjour Christian. Bonsoir. Bonsoir Grandlille TV. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un cadre un petit peu particulier. On est ici à Roubaix, donc 1000 places. C'est la première fois qu'un championnat est disputé ici. Oui, c'est la première fois. Match de qualité, match entre le premier et le deuxième, qui va peut-être décider du titre de champion de France 2014-2015. Donc lors d'un passage il y a quelques mois au Stab pour une compétition de vélo, j'ai pensé qu'on pourrait faire une grande compétition de tennis de table. Ça s'est bien arrangé entre la ville de Roubaix, l'Issy-les-Noix, après la métropole européenne de Lille, le conseil régional. On m'a offert les installations et on a mis tout ça en place avec le magazine Sprint que dirige notre ami Guillaume Van Der Schel. Voilà. Donc ça va être un spectacle prometteur ici à Roubaix dans 30 minutes. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? J'attends une très grosse participation de mes joueuses parce qu'on va avoir devant nous vraiment l'équipe qui actuellement est imbattable en France, hein, puisque trois Chinoises qui sont dans les 30 mondiales. Nous, on a aussi une Chinoise et une Roumaine dans les 50 mondiales et Agnès Lani qui se bat pour faire la troisième. Donc sur le papier, on n'est pas favori, hein, puisque eux, c'est 1, 2 et 15 et nous, c'est 4, 11 et 39. Donc logiquement, sur le papier, on part perdant. Mais bon, on a fait match nul chez eux à l'aller. Donc pourquoi pas un 3-3 ça ne nous permettrait pas d'être premier parce qu'on aura toujours un point de retard. Mais après, il reste 3 matchs et après, on ne sait jamais. Hein. L'année dernière, on a été champion de France la dernière journée au Kremlin-Bicêtre. Donc pourquoi pas encore cette année. Voilà. Évidemment, l'espoir est toujours là. Y a toujours l'espoir. Hein. Le sport, c'est ça. Le sport de haut niveau, ça donne beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. Mais il faut y croire jusqu'au dernier moment. Bon, peut-être que ce soir, on gagnera, on perdra. Mais bon, on verra tout à l'heure, on fera les comptes. Bon, c'est vrai que si on perd, je pense que là, le titre est vraiment fini. Match nul, bon, on a encore une chance et bon, une victoire, ça mettrait la pression sur l'équipe de Metz. Voilà. Alors peut-être une victoire ici à Roubaix, nous verrons ça dans quelques instants, enfin dès que le match commence dans 30 minutes. Le match va bientôt commencer.